fille. Je suis touché. Vous voulez me faire quelque chose? Recharge. Sauvez ce bâtard, il l'a tué. Sur le côté. Et voilà. C'est bon.
Tu répondais pas à la radio. Ouais. Je suis pas acheté. Oh là, voilà, doucement. Je vais bien, je vais bien. Je voulais m'éclaircir les idées, tu vois. T'as de la fièvre. Putain, paye ta migraine. T'as de la fièvre. Non, 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 je suis fatigué. Ok, tu restes ici, tranquille. Moi, je vais réfléchir. Eh, j'ai pas besoin d'une nounou, putain, je vais bien. Merde. Allez, réfléchis, mais réfléchis. Viens par ici, je vais te montrer ce que tu cherches. Ouais, trouvé. Oh. Allez, concentre-toi un T'inquiète, peu. T'inquiète, je suis concentré. Ok. Alors, celle-ci s'appelle Lavandula angustifolia. Lavande quoi? Ouais, mais vu que j'ai pas fini de rembourser mon prêt étudiant, personnellement, je préfère le latin, vois-tu? Moi, t'en as pour ton argent, fais-toi plaisir. Ok, allez, donne-moi tes mains. Voilà, tu en poses une autour de la fleur. D'accord. Ensuite, tu places l'autre le long de la tige. Ok. Voilà, comme ça. Ensuite, faut tirer tout doucement. Ça va, j'ai déjà arraché du chien-dent. Eh ben, c'est pas du chien-dent. Tu dois faire preuve de délicatesse. Mais appliquer une pression. Oui, mais sans forcer. T'es prêt? Go. Et voilà le travail. Nickel. Ouais. Dis donc, elle sent pas vraiment la rose. Ok, garde celle-là. Moi, je vais aller en cueillir d'autres. Et donc, pourquoi la lavande? Les gens du labo sont dans tous leurs états. Ils pensent avoir trouvé une sous-espèce de monoterpénoïde mutant qui produisent un linalol modifié pouvant... Ah ouais, ah, c'est... Merci, Einstein. Merci, vraiment. Désolée. Elle contient une molécule qu'on peut utiliser pour synthétiser un médicament pour les grands brûlés. Là d'où je viens, la seule herbe qui sert à soigner, on la fume. Tu sais, Boozer connaît un type qui a une ferme à genre 5 km d'ici. Oh, mais c'est super. Boozer va finir en prison et il te fera tomber avec lui. Et sinon, qu'est-ce que vous faites d'autre? Des armes chimiques, des armes de destruction massive? Non, 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 non. Enfin, pas moi en tout cas. Ah ouais? C'est dans mon contrat. Mes recherches peuvent en aucun cas être utilisées à des fins militaires. Regarde-moi ça! Attends, arrête. Allez, l'eau doit être trop bonne! Non, non, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, ça, tu peux continuer! Allez, qu'est-ce qu'il y a? C'est une longue histoire. Bon, ça fait rien! On peut marcher aussi! J'aime bien marcher! Et si tu m'en disais un peu plus sur tes plantes? Sérieux? Ok. Eh bien, on dit que ce genre-là est non-endémique. Tu le fais exprès, hein? Ça veut dire qu'elle n'est pas native de la région. Tu peux remercier Ogden. Qui ça? Eh, hey, merde, j'ai posé une question. Peter Skin Ogden, le premier explorateur à avoir traversé cette partie de l'Oregon. Lui et d'autres explorateurs ont apporté toutes leurs plantes médicinales avec eux. Certaines se sont propagées dans la région. La plupart poussent sur les rives des petits lacs et des étangs. Le premier explorateur blanc? Waouh! Tu te mets au politiquement correct? Faut pas croire les clichés sur les bikers. En vrai, on est très très fréquentables. J'en doute pas. On a deux frères de couleur au MC. L'un d'eux est membre à part entière. Je crois pas avoir vu une seule personne de couleur depuis que je suis arrivée dans ce petit coin de paradis. Ouais, il se trouve que Jack a fait venir des gars de Sacramento exprès pour faire chier des rivaux skinheads. Non, tu me fais marcher. Ouais, je rigole. Alors, Jersey Jim est un vieux pote, c'est moi qui l'ai fait entrer au MC. On a servi dans la même unité. Faudrait que tu passes au club 1 de ces 4, je te ferai visiter. Tu le trouveras sympa, il est super marrant, il fait une margarita du tonnerre. Je commence tôt lundi au labo, donc... On sera dans ton lit pour 22 heures, c'est promis.
Une proposition pareille, ça se refuse pas. Allez, à toi, essaie d'en cueillir une. De la lavande. Tu veux que je cueille de la lavande? Oui, et je veux 3 pieds de lavande. Et pas écrasés. Oh, je vais les écraser. Oh, allez. En voilà un. Bien joué. Celui-là? Ouais, continue. Le dernier. Super, amène-les-moi. Oh! C'est pour toi. Waouh, on dirait que la galanterie n'a pas disparu à Ferwell. Ah, mais si c'est le cas, je plaide non coupable. Hey, oh, pauvre chéri. Hé, hey, c'est celle qu'on va fumer tout à l'heure? Non, mais c'est celle qu'on va boire. Je sais faire une tisane du tonnerre avec ça. Sans déconner. Hé, hey, ok, si tu viens chez moi, je t'en ferai une, du moment que tu me déposes à la maison. Ok, super. Je vais te convertir, tu vas voir. Fais-moi penser à m'arrêter pour acheter de la bière en chemin.